Bonjour et bienvenue en Minecraft 15W35. Comme vous pouvez le constater, on va invoquer. C'est un peu buggé. Voilà, on va invoquer un nouveau type de villageois zombies. Ces villageois qui ont donc un skin différent selon leur profession. Hein. Ça garde en mémoire leur profession. Et ça va donc nous permettre de voir tout un tas de skins différents. Allez, profession, on va essayer. Est-ce que ça existe la profession 0? Ah ouais, à première vue, ça existe. Lui, il y a une sorte de vêtement façon Tarzan. Profession. Regarde tous dans la même direction. Faudrait que je vais remettre un villageois pour. Un vrai villageois. Je vais remettre un vrai villageois pour qu'il regarde où il faut. Alors, voyons voir. Un vrai villageois. Faire ça tout de suite. Vas-y, regarde au bon endroit. Hop, c'est parce qu'il y en a plein en bas, suite à quelques expériences. Expériences inavouables. Donc, on va leur mettre un petit. Ouais, non, ça va pas faire assez. On va mettre un petit villageois. Hop. Mieux comme ça. Hein. Voilà, maintenant regarde dans ma direction. Regardez dans ma direction, ouais. Allez. Oui, non. Toujours pas. Non, mais il y a des bugs, franchement, dans l'IA. Ils disent que c'est amélioré, mais. J'ai enregistré des morceaux. Je vais pas les mettre parce que ça durerait trop longtemps, mais bref. Donc, on est en Minecraft 15W35. Et le but est donc de voir qu'est-ce qu'on peut eh bien invoquer comme. Les différents zombies avec les différentes professions. Là, on voit le genre bibliothécaire, par exemple. Hop, on va continuer. On va pas perdre plus de temps. Vous en profitez pour voir les codes pour invoquer. Ça, c'est le genre prêtre, si je ne m'abuse. Hop là. Faut pas se compliquer plus que ça. Hop. Ah, ça, c'est sympa avec le. Le skin noir comme ça. Et c'est parti. On continue ainsi avec les différentes professions. 4. Tiens, lui il y a un petit bug. Ah, ça y est, c'est résolu. Hop là. Par contre, moi, j'ai toujours des bugs. Allez, monte. Mon cerveau bugué, il est pas résolu. Bon. Bref, on. Poursuit. Alors, profession 5. Et mince, pas du mauvais côté. Ah si, ça y est, il a pas du bon côté. Ah, quasiment tout en vert. Et en vert. Ok. Et le 6, on l'a déjà fait apparaître tout au bout. Donc, je vais peut-être essayer de voir s'il y a un 7. Pas tout hasard. Jamais entité invoquée avec succès, ouais. Un petit peu la même que l'autre. Donc on voit tous ces trucs différents. Je crois que je vais essayer de leur mettre des petits villageois à avoir en objectif, en target. Comme ça, ils vont peut-être regarder un petit peu plus dans la bonne direction. Hop. Et hop. Hop, hop, hop. Et ouais, bah, je vais tout simplement tout faire comme ça. Oui, parce qu'il paraît que. Ah oui, non, mais je pense à un truc complètement stupide. Complètement stupide. Là, ils vont sauter dans le vide par derrière parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle. Comprend le fait de sauter dans le vide pour se suicider, notamment sauter dans la lave. C'est quelque chose de très intelligent, mais comme vous pouvez le constater, hein, j'ai fait pas mal d'expériences, et ils sont d'une stupidité assez navrante. Malheureusement. Alors, hop. Qu'est-ce que je fais moi? Ah si, c'est bon.
Et voilà. Alors, on va continuer à leur mettre des petits villageois, voilà, des petits villageois, deux petits villageois, trois petits villageois, cinq petits villageois, six petits villageois, sept petits villageois, voilà. Voilà, maintenant ils vont commencer à regarder un peu plus dans la bonne direction. Donc là on peut le voir avec ce skin plus ou moins vert, hein, par les chaussures. Voilà, maintenant tu peux te promener. Donc ça c'est la même chose. Toi, allez, change de target. Voilà, le skin donc marron avec un petit peu de gris. Ici, le skin marron avec beaucoup de noir. Ici, le skin violet. Ici, le skin blanc avec un petit peu de jaune. Et oui, oui, oui. Bon. Hop. Ici, le skin quasiment complètement marron. Et ici, ah bah c'est encore le skin tout vert. Hein. Et ouais, hop. Un petit peu bizarre les IA, franchement là, vous voyez, ils s'attaquent à certains et puis d'autres, ils ont pas encore compris qu'ils peuvent les attaquer. Normalement, les IA ont été améliorées depuis la 15W34, je crois. Mais sincèrement, j'ai essayé différentes fermes et tout. Et c'est pas génial, sincèrement. Hein. Il y a des fermes, le fonctionnement n'a pas changé du tout. Hein. Par exemple, tout ce qui est installation de trapdoor. Voilà, les trappes, ils sont toujours aussi bêtes et ils croient toujours qu'ils peuvent passer dessus alors qu'ils tombent dans le vide. Etc. etc. Là, vous voyez les carpettes comme d'habitude, ça les empêche de passer. Enfin bref, voilà quoi. Autrement, il y a la, comment dire, les armes, tout ça, qui ont été légèrement retravaillées, soit au niveau de la valeur d'attaque, soit au niveau de la valeur de vitesse. Parce que bien entendu, si vous ne le savez pas, parmi les différentes mises à jour des snapshots qui préparent la 1.9, les armes ont une valeur d'attaque qui a complètement changé, une valeur de vitesse. Si vous spammez comme un débile comme ça, vous allez quasiment pas taper, vous allez quasiment pas faire mal. Il faut lancer un grand coup complet pour réussir à faire mal. Par exemple, là, je crois que avec un grand coup, ça suffit pas. Deux grands coups, ok, là, ça marche. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il a fallu au moins 6 coups pour le tuer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, à peu près. Donc vous voyez, si on spamme les coups comme un débile, on fait quasiment plus mal. Et si on tape à fond, bon, ça se verra sûrement mieux avec une vraie souris, parce que moi j'ai un truc à 2 balles et en plus très vieux. Mais bref, si on spamme comme un abruti, on fait quasiment plus aucun mal. Et si on appuie à fond, là, on fait full dommage. Et bien entendu, il y a aussi les armes qui ont été changées au niveau de la valeur d'attaque. Par exemple, la hache a une valeur d'attaque énorme, mais une vitesse très faible, alors que des armes comme l'épée ben, ont une valeur d'attaque toujours à peu près normale et une vitesse d'attaque un petit peu plus élevée. Ben, bref, tous ces changements qui ont été mis en 15W34, si je ne me trompe pas, sont à présent légèrement modifiés au niveau de la valeur d'attaque et de la valeur de la vitesse de certaines armes, histoire de rééquilibrer un peu les choses. Enfin bref, rien de très exceptionnel, hein. On s'y attendait un petit peu au regard d'un certain déséquilibre qu'il y avait quand même, hein. Parce que par exemple la hache c'est vraiment être complètement OP, franchement c'était déséquilibré. Après tout le monde en KTS et autres UHC allait se mettre à faire plus que des haches, parce qu'en à peu près 2 coups on peut tuer quelqu'un de pas très bien stuffé. Donc c'était pas très équilibré. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a aussi quelques nouveautés sur les commandes blocs avec des petits trucs bien sympas. Mais comme c'est pas trop mon domaine, je me suis encore jamais trop pensé. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais comme news intéressante sur les dernières snapshots. Donc je vais vous dire à une prochaine fois et puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur du monde.